je change. Là, on peut avoir un des visages d'une nana qui, hop, profil, la caméra se décale un petit peu. On voit l'hôtel, on voit que c'est un hôtel. Et on peut avoir après Alice ou Camille, une des deux, on se décidera, qui passe devant et l'autre qui lui emboîte le pas. Je pense que ça va, si ça se passe au Germanois, je pense que... La grande pancarte, la grande enseigne là-haut, hôtel, tu le prends aussi, ça, ou pas? Là, on ne l'aura peut-être pas dans le plan. Il faudra voir si on peut le filmer en contre-plongée, ce qu'on peut avoir. Si on peut les avoir tous les deux, ça peut être sympathique. Après, peut-être qu'on peut faire un plan de coupe en plan d'ensemble. Mais je suis même pas sûr que je le garderai. Il y a plein de choses qui vont changer. On va s'adapter au lieu. Moi, il y a des trucs qui vont me venir. La preuve, là, si on avait été sur place, j'aurais dit tout ça, on laisse tomber, on fait ça. Donc, Camille qui passe devant et Alice qui suit. Vous savez qu'à partir du moment où le hold-up est fait, etc., Alice court toujours derrière Camille. Ça, c'est gros point d'interrogation. Ce PDE va certainement se transformer en PR. Et au pire, en PR. En PR, pardon. Parce que les gens, ils gardent au plus près du resto, on les garde de l'autre côté des arbres. Ouais. Et puis, les gens de l'hôtel, bon, il y a aussi une partie sur l'autre façade, il y a une partie de parking un peu. Je ne sais pas combien il y a de chambres, je n'ai aucune idée. C'est grand là-dedans, ça me dit vrai, c'est très grand. L'hôtel typique des longs couloirs, c'est les hôtels Formule 1, tous ces trucs-là. Ah, oui. Ouais. Ah bah, quand parce c'est que l'architecture est un HLM, là, oui. Après, il y a peut-être la même chose à cet hôtel à la sortie de Melun. Grand Monarque. Voilà. Ça, c'est sûr. Grand Monarque, c'est des couloirs immenses. Parce que ça a l'air d'être comme un grand... Ça fait presque un grand HLM, en fait. Il y a Kyriade aussi, t'as tous ces trucs-là. Oui, tous ces trucs-là, oui. Oui, il y a Kyriade à Carrefour Market. Là. Sinon, il y a un Campanile à... Parce que l'autre, le Grand Monarque, j'ai été bouffé, mais je ne vois pas trop l'hôtel. Non, mais on va voir si on va en avoir plein. Donc il faut noter que la scène de l'hôtel se déroulera dorénavant les 23 et 24 juillet. Le matin, on tournera les séquences 26-28 puisqu'il n'y a pas Camille. Toutes les séquences de l'hôtel, elles ont changé de date, c'est ça? Oui, on prend tout ce qui était le... Et c'est quelle date? On fait comme si c'était 11, le... 11-12, on le passe au 23-24, jeudi 23, vendredi 24. Et on ne sépare pas les deux jours? Si, ben, jeudi 23, vendredi 24. Non, mais sur deux feuilles différentes. Ah bah si, mais ça c'est toi qui gères les feuilles. Non, c'est pas moi qui gère les feuilles. Mettez sur deux feuilles différentes, parce qu'on va se retrouver dans la même connerie que tout à l'heure. C'est savoir qu'est-ce qu'on fait le 23 et qu'est-ce qu'on fait le 24. Alors le 23 matin, on a dit qu'on faisait le 26 et 28. Le jeudi matin, on fait 26 et 28. Donc il faut que je refasse des feuilles, alors. On a toujours le jeudi 9 qui est en suspens. Hein. Mm-hmm. Séquence 26 et 28. Alors attends, je vais noter directement là-dessus. Le 26, donc ça passe au... Enfin, la séquence 26, elle passe le 23. C'est clair. Et la 28, okay. C'est Paul-Louise. Le 4B sur 2 doit être préparé pour le 8B sur 1, c'est-à-dire caméra loin du masque, rap terre, longue focale pour pas que la Mercedes écrase Michel. Ce serait dommage. Alors, que dès le troisième jour, on ne l'ait plus avec nous. Parce que je veux pas que la Mercedes soit obligée de changer de direction et que ça se voit. Quoi. Ouais. Kovacs, c'est comme ça. C'est pas comme ça, c'est comme ça. Elle écrase tout. Voilà, elle écrase tout sur son passage. Et après, on sait qu'ils vont récupérer l'autre masque un peu plus tard. Tout ça, ça nous permet de lier les personnages les uns avec les autres. Sans qu'on sache vraiment ce qu'ils ont à faire les uns avec les autres. C'est après le rue. C'est après le rue. C'est où, là, c'est cette route-là? Ou alors il se pose là. Ou alors il se pose là. Ah, c'est pas mal, ça. Pour le pont? Oui, ça, c'est pas mal. La route de Chartrette. En plus, il y a... Là, tu peux t'asseoir. Hein. Voilà. Alors, oui, est-ce qu'on a quoi se garer? Alors, bah, pas trop. Ce qui serait vraiment bien,
C'est ça, c'est quoi là? C'est le nom du ruisseau, certainement. Bah fais le tour, fais le tour. C'est pas la rue de Chaumont. Sans filmer ça, on pourrait avoir tout au moins ça comme point de repère. Parce que ça va. Il nous faut dans l'image absolument le même point de repère. Un plan pour c'est Louise. Hein, oui, mais l'avantage de ça, c'est que. C'est qui s'assoit déjà? Camille. Lucas et Camille. Oui, c'est alors, okay. Comment? Et Louise. Et Louise, oui, c'est Lucas et Louise. Oui, c'est Louise. Voilà, c'est Lucas. Enfin bon, c'est pas grave. C'est moi, non, mais c'est moi qui me plante. C'est Lucas et Louise. Alors, ce qui est important, c'est qu'on ait vraiment un élément visuel qui permette de faire le lien entre les deux. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on sache que Louise s'est assise au même endroit que Lucas. Ouais, mais tu l'as. Oui, mais tu sais, le petit pont, il est assez particulier. Hein. Oui, et puis tu as le décor derrière. Tu le verras, on verra que c'est la même chose. Ça dépend, si le cadrage est large, on l'identifie. Ouais, non, c'est pas super large. Hein. C'est pas super large, le cadre. Donc, ah ouais, non, mais ça me plaît vachement. Ça me plaît vachement. C'est pas très passager comme route. Lucas monte dans la voiture de Michel. Ouais. Donc, alors faut pas oublier qu'il y a trois plans. Tac, tac, tac. Donc il faudra un peu nous sécuriser. Hein. C'est-à-dire que je pense qu'il faudra mettre des gens un petit peu avant, avec des gilets jaunes, etc., pour éventuellement faire comme s'il y avait un danger. Si les voitures arrivent, on coupe. Hein, on va pas. À qui faudrait demander pour pouvoir réguler la circulation? C'est une départementale, ça. Ouais, non, ça va être super compliqué. Il faut qu'on le fasse à l'arrache, ça. C'est pas grave. Hein. Raison de plus, pour pas montrer que c'est le rue Bidou ou le rue machin, on saura jamais où ça a été tourné. Ouais, parce qu'il faut vraiment que la caméra soit là, à un moment donné. Pensez à pouvoir... Ou en face. Bien, mais les deux. Non, mais je veux dire... le. 1, 2, 3. C'est à quel jour, ça? En plus, nous, on s'est dit que sur la première journée, on allait faire des plans pas trop compliqués. Mais c'est dommage, parce que ça va être un petit peu compliqué s'il y a de la circulation. Non, mais il n'y en a pas tant que ça, tu vois, en journée... Et ce qui serait bien, c'est qu'en journée, on y aille et puis qu'on s'installe et qu'on Sauf, les enfants, parce que là, l'idée est bonne, sauf si on a le même type de rue, il n'y en a pas un qui passe derrière le stade, là? Une espèce de rambarde identique, là? Ce serait vachement bien, parce que là... On va regarder... Non, on regarde là-dessus. On regarde. Attends, on peut regarder. Stade, on y retourne. Et si on tournait tout sur Google? Ça serait drôle, ouais, on mettrait des petits. Oui, tout à l'heure tu disais on tourne là, on a ça, mais on peut c'est très bien tourner sur celui-là et on n'a rien. Non, mais je voulais, je le veux. Ah d'accord. Ok, ouais, non, mais pourquoi pas.